ce nom de patron, mais le choc d'Arcade, un peu mieux que vous le voulez, mais c'était, on vivait un peu pour lui. Mais Paul-Louis Valère est un altruiste né. Il devient le protecteur des artistes et ouvre les portes de son hôtel particulier du Marais aux âmes les plus créatrices pour créer une fondation. Paul-Louis, plus que jamais, devient l'un des plus grands mécènes du XXe siècle. Le but de cette fondation, c'était de venir en aide aux artistes. On croisait Roland Petit, Zizi Jamer qui habitait ici. Il nous dit à Zizi et à moi, il nous dit j'ai une amie qui vient à Paris, qui ne sait pas où se loger, elle viendra visiter la maison et elle s'appelle Mademoiselle Smith. On sonne à la porte, je vais ouvrir la porte et qui je vois? Greta Garbo. C'était elle, Mademoiselle Smith. Elle est venue et elle s'est présentée comme Mademoiselle Smith et puis on n'a pas pu parler de Greta Garbo du tout. On n'a pas parlé de cinéma du tout. Il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était de savoir comment marchait le Jisai yra urvinis žmogus, jis gali apsikeisti.